Salut à vous Salut Fred Salut Matt Aujourd'hui, on est dans un DLV, dans le viseur, on vous parle des jeux auxquels on a joué, euh, ensemble d'ailleurs. Et donc, on va vous parler de trois jeux. On va vous parler de K3, Osirium et Hank. C'est parti Et donc, on va parler de K3, qui est un petit jeu abstrait. Oui. Dans K3, en fait, on va construire le Kilimanjaro. Ça, avec des petits mmh. blocs de bois. Et en fait, chaque joueur va récupérer plein de petits blocs de son côté. Et tous ensemble, on va constituer le bloc principal qui est la montagne. Pour cela, chacun son tour va mettre un bloc, un bloc qui correspond à la couleur d'un des blocs inférieurs. Et petit à petit, on va monter sur le 4-3. Et le premier joueur qui ne peut plus mettre de bloc a perdu la partie. Et c'est tout. Mmh. C'est tout il faut juste, à son tour, poser un bloc de, de pierre, de, de pierre ou de bois, le matériel de ton bois, mais on va poser un bloc de pierre pour construire cette montagne. Alors, ce n'est pas tout à fait tout, parce que quand tu poses un bloc sur un double, un double bloc, eh ben, on peut te voler. C'est ça. On bloc. va perdre une de nos pierres en stock. Donc, du coup, étant que le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible, moins on a de pierres, plus, moins on ira loin. Donc, il faut qu'on essaye d'optimiser tous nos coups pour ne pas qu'on se fasse voler des pierres et qu'il nous en reste assez pour continuer l'ascension la montagne. Mais le plus dur, c'est plutôt d'essayer d'éviter de ne pas pouvoir monter, poser de pierre parce que là aussi quand on pose pas de pierre et ben c'est fini en plus on a deux pierres un petit peu particulières la pierre naturelle qui est ben, la pierre qui a pas de couleur et donc on va tout simplement la considérer comme un joker mais en plus on a une pierre blanche qui permet de passer son tour et ça c'est vraiment des opportunités cruciales de pouvoir les, jou les jouer et donc il faut savoir quand les jouer et où les placer et en plus le jeu il se joue en deux phases en deux moments on a d'abord le moment où on construit notre pyramide à nous, notre petite montagne à nous, avec nos pierres. On va tirer les pierres du sac et les agencer. Et après, le moment où on va construire le K3 ensemble. C'est ça. Et en fait, ce petit mélange des deux, on, on se demande si c'est du chaos de la stratégie. Parce qu'en fait, on dit, bah, on va juste poser des pierres les unes sur les autres pour essayer de faire un truc en fonction de ce qui nous passe devant. Mais en fait, tout va se jouer à la première partie. Où on va construire notre pyramide. Parce qu'en fonction des couleurs de pierres qu'on va voir, qui sont tirées au sort, on va se demander ok, celle-ci, regarde mes adversaires, ils en ont beaucoup. Ils vont peut-être les mettre au début de la partie, et à la fin de la partie, il faut que je les égraine sur ma propre pyramide personnelle, puisqu'on va pouvoir mettre les pierres que du haut de sa propre pyramide pour pouvoir les parsemer sur la pyramide principale. Et ça, cette gestion de où est-ce que je mets, où, quand, comment, c'est ça, il y a tout le petit sel du jeu en fait. Je n'attendais rien du jeu, euh, tu m'as présenté en mode allez, on joue à ça entre midi et deux, ouais. et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Euh, vraiment, je n'avais aucune idée de, de, de qu'est-ce que c'était que, que ce jeu, et j'ai été assez soufflé. En général, dans les jeux qui ont aussi peu de matos, soit c'est très bon, soit c'est très mauvais. Et, ah ouais. euh, et là, je me suis retrouvé avec un peu de la déduction, des trucs. Je me suis retrouvé un peu dans le... Je sais pas si tu avais joué à Atari, non. qui était un, un petit jeu de programmation aussi, mais avec que des blancs et des noirs. C'était vraiment excellent. Euh, mais c'est un vrai jeu de blocage et en même temps, un jeu de construction. C'est les deux en même temps. C'est ça. On a ce, ce petit euh, élément hyper pur en fait de jeu abstrait qui est fait par, par Phil Crow, qui est un auteur de jeu abstrait. Et extraordinaire, on voit assez peu de ses créations. Il a créé notamment Tasso, qui est un petit merveille de jeu abstrait de, de tactile comme ça. Et ce, ce petit jeu, vraiment, tu as une règle, tu poses ton, tri, ton, ton petit pion. Et je trouve ça super agréable, super accessible pour un jeu familial. Tu as, as ta petite boîte, tu installes ton jeu. Alors, l'installation, c'est peut-être pas le plus simple parce que là, tu vends le nombre de joueurs qu'il y a, il faut mettre plus mm -hmm. ou moins de stomp, est-ce que tu mets le blanc, est-ce que tu mets. Voilà, enfin, tu as le petit setup qui est un petit peu relou. Mais après, tu fais juste ton explication. Les gens, ils voient comment ça marche, ils ont envie de jouer. T'as envie de faire ta petite ouais, pyramide, t'as envie de poser, c'est super intuitif, c'est super agréable. Hmm. C'est ta kinou. Hein, ah parce oui, que ça, ça mord un peu, ouais. C'est pas juste tu poses ta pierre, c'est ok, si je pose ma pierre jaune ici, lui il, peut, ah, il pourra peut-être mettre celle-là, mais plus tard du coup, je pourrai peut-être mettre celle-là pour l'empêcher de poser sa rouge. Ah, surtout tu forces des mouvements. Exactement, en fait. tu forces des mouvements pour essayer d'amener au blocage qui va faire que l'adversaire va capoter tu vas lui récupérer des pierres, et du coup, plus ou moins, euh, faire la partie, il restera plus que toi, et c'est un petit peu le but. Mmh. Et cette petite notion de qu'est-ce qui te reste à jouer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour t'embêter, ah, c'est agréable. C'est vraiment, vraiment, très, très agréable. Moi, très bonne surprise que ce K3. Euh, J'ai envie de, de remettre le couvert euh, tous les midis. Yes, pareil, voilà, un petit jeu de 10 minutes, on joue mmh. vraiment rapidement, on, simplement, on explique même, il y a des nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas, hop, tu m'invites à la table, on fait une petite partie. Une belle petite réussite de jeu abstrait, mmh. familial. On vous encourage vraiment à découvrir. Et maintenant, on va passer au deuxième jeu, qui est Osirium. Alors, Osirium, on va dire un jeu abstrait dans l'univers d'Égypte et des dieux Effectivement, dans Osirium, on va incarner des dieux anciens et on va essayer d'accomplir des rituels en alignant des amulettes ensemble. Et donc, on va accomplir un maximum de 5 rituels, après quoi la partie est terminée, on compte les points et c'est fini. Et euh, pour... Accomplir un rituel, il va falloir aligner des amulettes, mais les amulettes elles ont des flèches, on va pouvoir les placer sur une grille et il va falloir aligner deux flèches ensemble pour créer un alignement d'amulettes qui va être valide. Donc on va essayer de placer les amulettes correctement pour accomplir ses propres rituels, mais sur le plateau des autres joueurs, on va pouvoir voir plusieurs rituels qu'ils ont en préparation, donc on va voir ce qui les intéresse, sauf que tout le monde a un rituel caché. Donc, euh, déjà, il y a un petit peu de bluff, un petit peu de, de préparation secrète derrière le rideau. Donc, ça, c'est déjà un élément qui, est, euh, qui crée un petit peu de, de disparité entre les joueurs, d'asymétrie. Et, euh, et le gameplay est très très court. Vraiment, on place son truc et puis euh, si on peut réaliser un objectif, on le fait. C'est ça. En fait, on est sur un jeu à la sensation assez proche du jeu précédent, 4-3, mmh. où à son tour, tu fais une action et tu essaies de positionner quelque chose le mieux possible, qui t'arrange et qui embête les adversaires. Donc, c'est vraiment le même type de ressenti. Avec là, un petit peu plus direct, parce qu'on est un jeu un peu moins familier, un peu plus amateur, on va dire. Avec le, le côté des, des flèches qui se, re, se rencontrent, ou justement qui se rencontrent pas, pour essayer d'embêter les adversaires. Et la notion de je gèle mon adversaire, encore plus augmentée que dans, dans K3. Et là, c'est vraiment le côté A. Ah qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas, avec certains de ses objectifs qui sont visibles, d'autres qui sont cachés. Donc on va essayer de deviner ce qu'il va pouvoir essayer de faire en fonction des perles qu'il a en réserve et des combinaisons qu'il va pouvoir faire. En plus, à chaque fois qu'on accomplit un rituel, on va pouvoir choisir de le marquer pour l'ordre ou pour la destruction. Euh, quand on choisit l'ordre, on va casser une des amulettes et gagner quelques points. Quand on va euh, jouer pour la destruction, on va marquer beaucoup moins de points, mais on va casser plus d'amulettes, c'est-à-dire qu'on va retirer des amulettes du plateau. C'est ça, ça ah. permet deux types de jeux. Soit on essaie de scorer un maximum de points soit on essaie de bien embêter les autres. En plus, on a un objectif de fin de partie en fonction du nombre de l'amulette qu'on a cassées ouais, et de, de leur couleur, qui va nous permettre justement de récupérer des choses. En plus de ça, il y a un mode avancé où on joue une divinité, et on va avoir un pouvoir utilisable une fois par partie, sauf que quand on casse une amulette avec un petit scarabée dessus, hop, le pouvoir se réactive. Voilà. Donc voilà pour les règles un petit mmh. peu. Comment c'est passé Alors c'est un jeu qu'on a découvert comme ça, on a vu la boîte, un thème un petit peu mature avec des, des dieux qui font un peu la gueule dit, tiens, est-ce que c'est un jeu d'affrontement et tout Et puis on ouvre la boîte, on se rend compte que c'est vraiment un jeu de placement très très abstrait, mm. et le thème il passe un petit peu à la trappe rapidement. C'est vrai que euh, pas, on n'est pas dans le, le thème mignon des dieux de Santorini, on est plus euh, dans quelque chose qui pourrait faire penser à Hank. Je suis pas hyper fan de la DA euh, pour le coup euh, parce qu'elle trompe peut-être un peu sur la marchandise mm. et qu'on a l'impression d'avoir un truc avec un peu plus de thème que ce qu'il y a vraiment. C'est ça. Euh, mais euh, bon, c'est c'est pas gravissime et on se retrouve dans un jeu qui est plaisant de toute façon. On a un corpus de règles qui est finalement très épuré, mm. euh, qui pourrait avoir un thème beaucoup plus accessible, oui. euh, mais qui est méchant. Ça pourrait être des assemblements de glace, ça serait pareil. Quoi. Sauf que c'est méchant. C très, mais là, c'est quand même méchant parce qu'on surveille vraiment ce que font les adversaires. Mm. On a vraiment la possibilité de les embêter tous les tours mm. tout en essayant de faire sommer ces combinaisons. Mais vraiment, ce, ce, le plaisir du jeu, il est là parce que les mouvements, ils sont simples tu prends ta, ta petite gemme, tu récupères une nouvelle, c'est très agréable et c'est quand même très taquin. J'aurais préféré que la partie dure un poil plus longtemps. Et ouais, on est tous les deux d'accord mmh. là-dessus, parce que finalement, a, on a, en fait, le temps que tu mettre dedans, de te faire tes combinaison, c'est presque déjà fini, parce qu'on va faire cinq combinaisons. 5 combinaisons, c'est presque trop court, tu n'as pas le temps vraiment de te mettre vraiment en place des stratégies, le plateau est petit, et du coup, ça fait des écarts types entre les joueurs, entre celui qui finit son cinquième objectif et celui qui n'a pas eu le temps, énorme, Nous, on s'est retrouvé avec une partie avec des scores qui n'avaient pas décollé comparé à d'autres qui étaient déjà 10 ou 15 points. On s'est ok, finalement, on aurait vraiment aimé avoir deux tours de plus pour avoir le temps de finir les petits objectifs qu'on avait ou de faire un petit peu plus. Vraiment, en sept tours, enfin, sept tours, sept objectifs plutôt que cinq, on aurait tous pu s'apprécier la partie, même s'il était vraiment agréable. Je suis vraiment d'accord et je pense que sur ce consensus, on peut passer au troisième jeu, Hank. Bon alors, on reste en Égypte, Matt, pour ce dernier jeu Effectivement, on va rester en Égypte, on va rester dans euh, le contrôle de territoire aussi, et dans un petit peu le placement, avec Ankh. Et donc, Ankh, c'est un jeu qui fait partie de la trilogie Rising Sun, Blood Range, et, et Ankh, donc d'Eric Lang. Euh, donc, trilogie à succès, de jeux avec des placements, euh, des clans qui vont devenir asymétriques tout le temps. Et ici, on va incarner une divinité carrément. On va incarner une divinité qui essaye de prospérer et de ne pas être oubliée parce que les hommes ont tendance à oublier les divinités qui ne sont pas assez glorieuses. Donc il va falloir tout simplement essayer de se placer au bon endroit, de récupérer le contrôle de monuments pour récupérer des fidèles qui nous permettent de faire plein de choses. Mais on a des troupes, on a des guerriers, les guerriers ils vont venir se battre et quand on se bat, on va pouvoir gagner des points de victoire également. Parce que ça va nous permettre également de retirer les troupes adverses et de scorer des points de victoire. Euh, en fonction de ce qui nous reste, des monuments qu'on contrôle. C'est un très gros jeu. Ouais, alors on est un jeu de placement, affrontement, majorité, dans la même lignée que les deux précédents. Ouais. Euh, clairement, moi j'ai joué une fois aux deux premiers, toi tu es des jeux que tu maîtrises beaucoup plus que moi ce type de jeu. Un peu. Clairement, c'est <laughs> vrai, vraiment une gamme de jeux que tu aimes bien. Moi c'est vraiment des jeux que je fais pour découvrir, pour la notion de... pour découvrir ce genre de choses, mais que je ne maîtrise pas du tout, et ça s'est vu. <laughs> ça s'est vu effectivement, mais c'est pas grave. Après, t'as apprécié, t'as parfait. J'ai apprécié, mais c'est vraiment un jeu qui est un peu trop exigeant pour moi. Il y a beaucoup de règles, surtout sur une première partie. Mmh. Il faut prendre en compte tous les paramètres. Moi, c'est vrai que, au fur et à mesure que je commençais à être perdu en disant, OK, il va a que je score ça, mais pour scorer ça, il faut gagner des batailles. Mais pour gagner des bataille, il faut que je fasse ça. Un peu trop de paramètres pour moi, et j'ai vite été dépassé par le jeu et par les joueurs qui étaient beaucoup plus à l'aise que moi. Et pourtant, je trouve qu'il y a une vraie beauté, une vraie simplicité presque abstraite sur, euh, sur ce jeu, c'est qu'il y a que 4 actions. Il y a un plateau d'action avec quatre actions, des pistes d'actions. Tu en fais une ou deux. Euh, tu, vas, tu vas choisir une action, puis si tu as à la place, tu choisis une action supplémentaire. Les actions, c'est déplacer ses unités, invoquer une nouvelle unité, recruter des petits fidèles, donc récupérer des pions fidèles, utiliser des fidèles pour débloquer un nouveau pouvoir. Alors, je suis d'accord. Game Design, il est mm. très très beau. C'est super épuré. On voit très bien ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire. C'est une, une belle création, c'est un beau jeu, mais qui demande une implication qui est quand même assez forte pour arriver à se projeter et, et y arriver. Sur, euh, sur le jeu, il y a donc un certain intérêt à se placer à des endroits pour récupérer des points, mais on va faire avancer la partie petit à petit en déplaçant les pistes d'action. Mmh. On va déclencher des événements qui vont nous faire prendre le contrôle de monuments, qui vont nous faire séparer le des plateau. Territoires pour on, on va multiplier avoir des... la complexité. On va multiplier la complexité, mais on va aussi multiplier les scoring. On va avoir plus de scoring possible, et en fait, ça va permettre d'accélérer aussi le gain de points de victoire au fur et à mesure de la partie. Mais on va également déclencher des conflits. Ouais. Et pendant ces conflits, bah, dès qu'il y a des troupes appartenant à plus de deux dieux sur une même zone, il y a combat. Égale, ça. Et on va compter les forces et chaque joueur va jouer une carte d'un set de 6 ou 7 cartes ouais. identiques pour tous les joueurs. Et ces cartes, elles sont mortelles. Ouais, elles, sont, elles sont symétriques, c'est agréable, mmh. puisqu'on va pouvoir compter ce qu'ils ont déjà mis, ce qu'il leur reste, faire en fonction, est-ce que c'est le moment de jouer celle-ci, est-ce que c'est le moment de récupérer ces cartes pour préparer le coup d'après et assumer la perte d'une bataille, et c'est ça qui est intéressant, c'est ok, c'est pas parce qu'on perd une bataille qu'on perd la partie, au contraire, des fois c'est intéressant de perdre une bataille pour gagner des points, on avait déjà vu ça dans ces anciens jeux, et c'est toujours aussi malin, mais c'est toujours frustrant de se dire ok, bah, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre, je vais peut-être récupérer quelques trucs, mais au total, celui qui gagne, il va scorer beaucoup plus avec les majorités, les contrôles de territoire qu'il a, et ça c'est quand même très très dur de revenir à la partie quand la personne a tous les contrôles de territoire. Mais surtout, moi j'ai vraiment l'impression que ce, ce jeu avec les cartes, c'est cette carte qui sont vraiment hyper bien designées, c'est presque un mini-jeu en soi, qui pourrait être extrait de, du contexte de euh, oui, Rising Sun oui. Blood Rage, et qui pourrait faire un jeu en soi, parce que bah, tu as la nuée de sauterelles qui va permettre de tuer tout le monde, mais il va falloir miser une ressource, tu as, euh, as le truc qui va te permettre de gagner des points si, euh, si tu as tes unités qui meurent, tu as le truc qui te permet de te défendre euh, dans des zones fertiles et d'être immortel. Et tu as, as vraiment plein de facteurs qui, de prise de décision qui ont une répercussion sur toute la partie. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que ce mini-jeu, eh ben, en fait, il a un impact sur toute la partie. En plus, on a une divinité ouais. qui est présente sur le plateau, qui meurt jamais, parce que c'est un dieu. Et elle a un petit pouvoir, qui est un très gros pouvoir. Il fait. faut savoir utiliser correctement. Mmh. Et du coup, on arrive au twist du jeu. Le truc qui fait que ce, ce jeu spécifique, est spécifique, c'est vraiment la fusion des deux, des deux dieux la moitié des deux tiers de la partie, les deux plus mauvais joueurs, ceux qui rament et qui sont fait un petit peu mettre sur la gueule, finalement, ils vont fusionner en un seul et même joueur, on va dire, pour jouer le même troupe, et ils vont essayer de rattraper ceux qui sont encore devant. Et euh, d'un côté, ça a l'air du coup super puissant, parce qu'on a deux unités, on a deux fois plus de pouvoir, même si on joue et, euh, le même nombre d'actions, on a l'impression qu'on va vraiment rattraper, sauf qu'on prend le bon nombre de points de victoire qu'avait le plus mauvais des deux. Donc, du coup, ça peut faire des écarts entre le premier et le dernier assez énormes et ça devient quand même difficile à combler. Alors, moi, des, de, de l'expérience que j'ai eue, euh, j'ai un certain nombre de parties dans les pattes, et bien, en fait, les dieux fusionnés gagnent souvent parce qu'il n'y euh, a pas un retour à, à la case zéro. Euh, dans le cas de, le cas de, euh, parti de la partie euh, qu'on a, qu a faite avec, avec toi c'est un peu ce qui est arrivé mais il euh, y avait quand même euh, y avait un, un élément de pression qui était une unité spéciale qui faisait baisser les points de victoire de tout le monde qui a vraiment fait baisser les points du dernier c'est vrai, vrai que du coup tu t'es retrouvé à perdre beaucoup de points en fusionnant mais globalement il y a des outils de scoring dans le tableau des joueurs tu vas avoir des pouvoirs que tu vas débloquer petit à petit et dans ces pouvoirs il y a deux outils qui permettent de revenir très vite au score mais il faut le préparer, il faut l'anticiper. Et si tu sais que tu vas fusionner, tu joues pas du tout pareil. À partir du moment où tu sais que la bataille arrive et que tu n'es vraiment pas bien, tu te prépares, eh ben, tu te prépares et, et tu sais que tu, tu prépares ton après-partie. Mmh. Et c'est pas du tout pareil. Donc, moi, j'ai presque du mal avec ce mécanisme de fusion. Je l'aime beaucoup sur le papier. En jeu, je trouve qu'il est presque un peu fort et que tu as intérêt à jouer là pas tout à fait gagne. Ah, c'est quand même difficile hein, parce que tu, tu laisses vraiment partir les premiers Ils sont quand même durs à attraper. Nous par rapport à hmm. tous les contrôles des territoires et les majorités qu'ils peuvent obtenir. Mais aussi parce qu'il y a une wow. victoire immédiate. Après, c'est des choses qui se négocient, effectivement. Là, on avait une disparité de niveau de, ouais. de, euh, de jeux de contrôle de territoire qui faisait qu'on ben, était deux joueurs à très, très bien maîtriser ce genre de jeu, deux, deux, deux joueurs qui étaient euh, plutôt débutants sur, le... sur, sur ce type de jeu. Et, et qui exigeaient vraiment un sur une première partie. Ouais. Et compagnie. Euh, je trouve que l'exigence, elle n'est pas tellement en termes de... De réflexion que de nombre de facteurs à prendre en compte. Oui. Euh, même si c'est très simple à mettre en œuvre, il y a plein de choses à réfléchir et il y a des moments où c'est un peu trop. Les incidences sont nombreuses ouais. avec le, le, le partage des territoires, les l'ordre de combat et tout. Il y a ouais. plein de petits sous-jacents qui font que même le, la simplicité du game design de base, qui est vraiment avérée, les règles ne sont pas si longues à expliquer, ont une incidence assez forte si on reprend tous les paramètres en compte. Et encore, on a, euh, je ne vous ai pas fait jouer un scénario particulier, c'était vraiment le scénario de base. Et euh, les gardiens qu'on avait n'étaient pas très compliqués non plus. Non, ils ne sont pas très euh... compliqués à comprendre. Ils sont sympas. Ils, sont vraiment... ouais. ils, donnent, ils donnent envie d'être joués parce qu'ils ont tous des pouvoirs assez tricky. Ouais, et ah, tiens, ça, si je fais ça, fait fait ça, ça va être rigolo. Et puis tu as envie d'en connaître d'autres. Tu as envie de regarder ce qu'il y a d'autres dans le paquet. Tiens, je pose Donc mon 5, si tu n'as a... plus en force. Allez, hop Voilà. <laughs> ça ça twiste vraiment le jeu. Mais du coup, hum. ils sont tellement durs à prévoir comment bien les utiliser. C'est chaud. Après, moi, il y, y a un truc qui m'embête un petit peu. Et je t'en ai parlé juste avant qu'on tourne cette vidéo. C'est euh, le plateau joueur on va avoir des pouvoirs qu'on va débloquer petit à petit. Ouais. Ces pouvoirs sont tous les mêmes pour tous les joueurs, pas de problème. Mais en fonction du scénario que vous jouez, de la... des monuments qui sont placés, du setup, ouais. du setup, et un petit peu de ce que vous pensez pouvoir faire avec votre dieu, il ben, y a des pouvoirs qui sont plus évidents que d'autres. Donc on va réfléchir très vite à des stratégies, et en fait, une fois que c'est euh, loqué dans votre tête, et ben, vous allez foncer là-dessus, et ça va vous permettre de... Euh, pas de rouler sur le jeu, hein. non, non, mais en tout cas, ça va réduire vos options pour le jeu. Parce coup, que vous dites qu'il y a un truc optimal. En fait, on a l'impression qu'on va pouvoir jouer de manière asymétrique en débloquant mmh. notre arbre de technologie, mais on se retrouve assez vite à faire les mêmes choses parce qu'elles sont finalement dépendantes de la situation actuelle sur le terrain. C'est vrai, alors oui et non, dans le sens où, par exemple, bah, le bonus de splendeur, quand un joueur a trois fois le même, euh, le même bâtiment, tout le monde l'a pas. Ouais, pas forcément. Euh, par contre, euh, moi je sais que j'ai débloqué le truc qui permettait de recruter beaucoup avec les pyramides plutôt qu'autre chose, mais j'aurais pu choisir une vraie autre option qui était, dans notre partie, il y avait beaucoup de temples, j'aurais pu choisir des bonus sur les temples et ça aurait été beaucoup plus facile pour moi, sûrement. Mais j'ai choisi de ne pas faire ce choix et c'est peut-être ce qui m'a coûté la partie. Peut-être. Voilà. Bref, un bon jeu, un très beau jeu avec un très beau game design, une belle édition, mmh. mais qui nécessite une application et une maîtrise de ce type de jeu de gestion de terrain, de classement, majorité quand même assez fine, donc à pas laisser entre toutes les mains quand même. Alors, j'ai envie de dire... Dernière question pour toi. Ouais. Comment tu le positionnerais vis-à-vis -vis de Blood Rage et Rising Sun Je l'ai trouvé un peu plus compliqué que Blood Rage, mm. euh, mais j'ai vraiment aimé Blood Rage et Rising Sun, j'ai ai pas aimé parce qu'il manquait vraiment du catch-up pour moi et la partie était vraiment trop disparate. Donc j'ai préféré à, à Rising Sun, même si thématiquement j'aimais ai, bien. Bref, il est entre les deux pour moi, mais tout aussi exigeant que les deux premiers en termes d'implication et de gestion tout ça. Ok. Merci beaucoup Fred. On en a fini avec notre avis sur Anque, K3 et Osirium. On espère que vous avez beaucoup apprécié ce DLV. Si vous avez apprécié, si vous avez un avis qui peut différer d'une autre ou être totalement concordant avec notre avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également retrouver beaucoup d'autres contenus sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le site ludovox.fr. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur Utip. Je crois que je vous ai tout dit. À bientôt sur ludovox.fr. Ciao, Ciao.